c'est très difficile à accepter d'être aidé quand on est soi-même aidant. C'est ce qui m'a envahi le premier jour. C'est ce qui m'a donné tellement d'émotions que j'en ai pleuré. Tout le monde dans le fauteuil, tout le monde a une couverture. Moi, c'était, pour moi, c'est ça qui était terrible. Je me dis, mais mon Dieu, mais est-ce que... Pourquoi je me suis assise là-dedans? Naturellement, ça a renforcé ma foi, c'est certain. Et puis ce qui renforce, je comprendrai mieux les personnes âgées qui ont du mal à accepter que moi, je leur aide. Je vais visiter 4 malades régulièrement. J'apporte la communion. Je leur apporte donc une affection aussi avant tout, hein, parce qu'elles ne peuvent plus venir à l'église. Je vous dis, la petite jeune qui m'a conduit, elle voulait partager avec moi, elle était hyper, hyper gentille. Super, moi ça m'a fait vraiment chaud au cœur. J'en ai eu les larmes, j'ai pleuré. Elle me dit, mais vous me faites mal au cœur, vous me faites pleurer aussi. J'ai dit, non, il ne faut pas. On s'est pris dans le bras, on s'est embrassé, on s'est fait des bisous, on s'est fait des câlins. Dieu est amour, hein, Dieu est amour et miséricordieux.